Mouloud Feraoun est né le 8 mars 1913 à Tizi Hebel, en Grande-Kabylie. Mouloud Feraoun a raconté sa propre enfance dans le récit en grande partie autobiographique « Le fils du pauvre ». À 7 ans, il entre à l'école de Taourirt Moussa, à 2 km de son village natal. Grâce à une bourse d'enseignement, il entre en 1928 au collège de Tizi Ouzou et prend pension à la mission Roland dans cette même ville. Reçu en 1932 au concours de l'école normale de Bouzerea, Alger, il commence cette année-là les études qui doivent le conduire à la profession d'instituteur. Feraoun est né à Tizi Ibel en 1913. Il a été à l'école, c'est M. Amhis qui l'a inscrit à l'école de Tizi Ibel. La première année, bon, comme le fils du pauvre, il n'était pas un élève doué. Un jour, son père l'engueule, lui dit « Le maître m'a dit que tu travailles mal ». Il a pris conscience qu'il travaillait, que le maître faisait attention à lui, à l'âge de 6 ans, donc ému, et ça a fait de lui l'élève studieux qu'il a toujours été depuis la deuxième année de l'école primaire. C'était un bon pédagogue, un très bon pédagogue, et il faisait très bien son travail. Il faisait très bien son travail, il mettait un point d'honneur à avoir plus de succès au certificat d'études que toutes les écoles qu'il y avait autour, et surtout d'élever le nombre de certificats d'études dans l'école dont il avait la charge. Et l'école dont il avait la charge, c'était une école à une classe. Il faisait tous les cours, y compris le cours de certificat d'études. C'était un extraordinaire serviteur de l'école, de la culture, des enfants, de la jeunesse. C'était une personnalité éminente. Et la violence monstrueuse de l'OAS, qui était une organisation terroriste, s'attaquait à toutes sortes de gens. Et naturellement, généralement, ils choisissaient leur cible, des Algériens, des Français, qui incarnaient cet idéal de liberté et de courage. Donc je suis très heureux qu'on le célèbre et qu'on ne l'oublie pas, car il est une des belles images de la vraie amitié franco-algérienne. Il était la loyauté même, et qu'il aimait passionnément la France, et passionnément l'Algérie. Mais quand même, Mouloud Feraoun a fait beaucoup pour les siens.
Il a fait beaucoup pour les siens. Lui a fait beaucoup pour les siens, bien sûr. Il a fait quoi, justement? J'aimerais bien que vous l'expliquiez. Il a été un très grand écrivain français. D'abord, parce que s'il n'avait pas été un très grand écrivain français, il n'aurait pas pu faire beaucoup pour les siens. Et il était attaché à la Kabylie, à sa Kabylie, hein? Très. Mais aussi à la France. Et comment il vous parlait justement de cette Kabylie, à travers lui? Comment vous voyez la Kabylie à travers lui? Je voyais la Kabylie comme une patrie, comme une terre magnifique. Une terre justement où, une terre où il y avait beaucoup de soutien, de loyauté ou d'honneur. Une terre d'honneur et de justice. Pas d'honneur sans justice. Il est des terres qui sont à voir, où il y a des hommes qui font l'histoire. Paesi cari tanti amati, Mare Nostrum, facciamola. In sti luoghi smentigati, Mare Nostrum, fammi andare, fammi andare. Mi, mi fu ken, e usciva. Se podo desce tuo, jmen disgera. فوقت یه رزا فرادون داریشن من سرات گل ادلوان ادلو قضان از مور عزیزن مورا که پاسا اینا شیست را اون منه نفرد unito per la vita di umani in guerra per la pace di nomi. Il collabore à une modeste revue, Le Profane, dirigée par Emmanuel Robles. En 1934, il est exempté du service militaire par tirage au sort selon le code de l'indigène. En 1935, Mouloud Feraoun est nommé instituteur dans son village natal, puis à Taourir Toumoussa. En 1952, il prend la direction du cours complémentaire de fort national, actuellement l'Arbaana Thilathen. Il avait effectué son premier voyage à Paris en 1949, puis en 1951. Il avait échangé ses premières lettres avec Albert Camus. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien que, à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal au poumon ». Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous. La guerre de libération éclatant le 1er novembre 1954, Feraoun commence à écrire son journal en 1955. En juillet 1957, il est nommé directeur de l'école de Nador au Clos Salambier à Alger. En 1960, en octobre, il accepte le poste d'inspecteur des centres sociaux albiers fondé par Germain Tillon dans un but éducatif des milieux algériens défavorisés. Il voyage en Italie, Sardaigne et Grèce en mai-juin 1961 avec une mission d'étude du Centre algérien d'expansion économique et sociale. Le 15 mars 1962, il est assassiné à Albière par un commando de l'OAS avec deux autres Algériens, Ali Hamouten et Saleh Wouldaoudia.
et trois Français, Max Marchand, Marcel Aymard et Marcel Bassé, lors d'une réunion à laquelle devait prendre également le commissaire général à la jeunesse et au sport, le Thibon. Le Pharaon a été inhumé à Tizi Ouaze. Dans Alger, à demi paralysé par les grèves, une sorte de grand silence s'est appesanti. Ces derniers jours, les six victimes de Ben Arnoun, six dirigeants des centres sociaux parmi lesquels l'écrivain Mouloud Feraoun, ont été inhumés. Devant leur cercueil, deux ministres, M. Guillaume et Pey, ont rappelé leur action et apporté l'hommage du gouvernement. Dans le centre de la ville où l'abattement semble avoir succédé à l'anxiété des derniers jours, les consignes de grève générale données aux Européens ont vidé les rues. Seuls sur les places et dans les rues semées de chicanes et de barrages, les éléments de l'armée contrôlent une circulation réduite à zéro. Les autobus sont restés au garage, les magasins sont fermés, les ateliers gardent leurs portes closes. Un silence pesant règne. Réprobation, inquiétude, réflexion, il y a de tout dans ce silence, et même peut-être de l'espérance. Ce crime, commandité par l'OAS, sera désigné comme l'assassinat de Château-Royal. Le 15 mars 1987, 25 ans après l'attentat, naîtra en France l'association des amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons, en souvenir de ces six hommes assassinés dans l'exercice de leurs fonctions et dont l'objectif était de poursuivre leur œuvre humaine. Mouloud Feraoun s'était marié en 1935 à l'une de ses cousines Dahbiya. Il était père de 7 enfants. D'une façon précise, le projet initial de Feraoun était de traduire l'âme kabyle. Bien qu'on sache que les kabyles sont des hommes comme les autres, je crois, voyez-vous, que je suis bien placé pour le dire, expliquait-il dans une interview en 1953. Autour des années 50 déjà, les romanciers maghrébins ne supportaient plus, avec raison, d'être décrits par d'autres, de l'extérieur, par Ferdinand Duchesne par exemple, romancier colonial et régionaliste. Mouloud Feraoun veut donc nous faire voir sa propre société de l'intérieur. D'où le grand intérêt sociologique de son œuvre, où trois grands thèmes dominent, la terre natale, la condition humaine en Grande Kabylie, les travailleurs algériens émigrés en France. Un compatriote de Feraoun, Belaïd Aït Ali, auteur de contes et de poèmes, écrivait en 1950 que seul un kabyle pourrait décrire et dépeindre objectivement les kabyles, parce que, dit-il, seul il a accès à certains coins de l'âme de ses cousins. C'est bien ce que Feraoun a réussi à faire. عقلي وهم غدي الدنيا شو بغسر ترقيت في السقرايد سوى عقلي وهم غذي الدنيا شو بغتسر ترقيت في السقرى ينسي وشفايا
ورفاق غمي دغلي ثمدي ثحمق الصبحي فمزي وسزر بيتعدى فن الخير يخدمي ذق الاخر ثيافي ارمي لان في الدومه غلفنا